Bonjour André May, donc merci beaucoup d'être là pendant cette cinquième édition du Transition Forum. Donc vous êtes président d'Everwatt, donc producteur d'énergie décentralisée. Vous êtes un acteur clé de la transition énergétique, évidemment de la décarbonation des territoires, deux thèmes particulièrement d'actualité en ce moment. Exactement. Et vous en êtes où aujourd'hui? Ça avance beaucoup, ça booste? Oui, ce qu'on voit, c'est une grande accélération depuis à peu près un an et plus particulièrement depuis six mois, depuis l'entrée en guerre et la volatilité des extrêmes du prix de l'énergie. Et c'est d'ailleurs qu'il y a deux ans, trois ans, le prix de l'énergie, c'était géré par des personnes qui géraient, pas les crayons ou presque, mais par des personnes qui étaient assez bas dans la hiérarchie. Et avec le prix de l'énergie qui est multiplié par 2, 3, 4, 5, 6, des fois 10, à des moments, à des périodes données, eh bien, ce sujet-là est devenu quasiment la direction, au moins du directeur financier, voire de la direction générale. Donc ces préoccupations-là, pour certaines sociétés, elles doivent arrêter leur production. Pour d'autres sociétés, ça peut manger la moitié de leur marge. Donc c'est un sujet qui est remonté très haut dans la hiérarchie, alors qu'avant, bon, on choisissait son fournisseur, on faisait un contrat pendant deux à trois ans et on n'entendait plus parler. Donc c'est des choses qui sont très prégnantes à deux titres. Il y a le prix qui a grimpé de façon extrêmement forte. Ce matin, on a entendu des multiplications par 6. Oui, c'est ce qui a donc, été dit. Donc, quand vous payez 1 million, ça fait 6 millions, donc ça fait 5 de plus. Ouais. Donc, c'est des choses très importantes. Et le deuxième point, c'est la volatilité. C'est-à-dire que pendant les 15 dernières années, la moyenne était autour de 40-42 euros le mégawattheure, mais il faut retenir le 42. Le 42 a touché 1000. Donc ça a été limité par 25. Donc imaginez qu'un café qui vaut 3-4 euros à Paris, vous le payez 100 euros. Ben, vous ne buvez plus de café. Voilà. Oui, on va réfléchir. On va plus que réfléchir. Donc c'est ça, une multiplication par 25. Bon, ce n'était pas tous les jours. Aujourd'hui, il est autour de 200. Donc c'est 5 fois ce qui se passait il y a 2 ans. Donc, il y a deux effets. Ça a monté très fort et il y a la volatilité. La volatilité, c'est qu'il y a des jours, ça a augmenté de 100 euros. C'est deux fois plus que la moyenne des 15 dernières années. Hein, c'est le matin, votre café, il coûte 20 euros. Puis l'après-midi, il coûte 30. Hein, c'est ça, la volatilité. Et donc, c'est très douloureux. Et comme c'est très douloureux, les chefs d'entreprise ou les entreprises publiques cherchent à se couvrir et à trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, eh bien, les solutions de type solaire, par exemple, sont à un prix qui est acceptable sur 20 ans. Et c'est ça qu'on présente à nos clients. Donc nos clients réfléchissent beaucoup plus avec nous pour trouver des solutions simples ou des solutions complexes pour que leur mix énergétique soit beaucoup plus prévisible en termes de coûts et aussi en termes d'alimentation, puisqu'il y a trois mois, on avait une augmentation du coût. Et en ce moment, il y a un problème de disponibilité. C'est-à-dire que vous pouvez, quel que soit le prix, ne pas avoir l'énergie. Donc c'est encore une autre étape. Donc il y a cette escalade et donc, il y a des solutions solaires qui sont très, très adaptées. Et voilà, donc on aide nos clients et on investit pour eux. Donc c'est ce qu'on appelle CapEx free pour eux. Donc ils n'investissent pas. On investit pour eux et on peut leur vendre de l'énergie verte, verte nativement, hein, sans passer par les garanties locale. D'origine, oui. Locale. Et donc c'est pour ça qu'on est très ancré dans les territoires, puisque le côté production locale, production verte à côté de chez vous, c'est comme le camembert, on aime bien le camembert qui est à côté, l'énergie aujourd'hui normand, ça devient pareil. Oui. Normand, voilà, exactement. Exactement, c'est une électricité à hausser qui est présente. Voilà, donc il y a plusieurs thèmes qui sont à aborder autour de votre question. Oui. Et effectivement, alors vous parliez de solaire, mais vous avez créé donc vraiment récemment plusieurs entreprises à impact dans différents domaines, donc des énergies renouvelables, l'hydrogène bien évidemment, l'autoconsommation, l'aménagement des lieux de vie aussi à énergie positive, ce qui est assez original, sur d'anciennes friches. Et le point commun dans tous ces projets, en fait, on en parlait tout à l'heure, c'était de bien ancrer donc les projets dans les territoires et de travailler donc collectivement en impliquant l'ensemble des acteurs, grosso modo. Aussi bien boucle énergie, tous les projets.
Voilà, tous ces projets, ils ont plusieurs constantes. La première, effectivement, on est ancré dans le territoire, c'est qu'on travaille avec les sociétés du territoire et souvent avec l'accord ou la bénédiction des autorités publiques, collectivités, qui voient d'un bon œil d'implanter des solutions qui vont vers la décarbonation progressive d'ici 2050. Mais comme on disait tout à l'heure, 2050, c'est une autre génération, mais les efforts, il faut commencer à les faire demain matin, voire hier. Voilà, donc la première chose, c'est le côté territoire. La deuxième chose, c'est le côté inclusion. C'est-à-dire que quand on travaille à un territoire, on peut bien sûr, dans Boucle Énergie, vous en parlerez demain, mettre des ombrières de partout, ou sur une friche, mettre des maisons qui sont à très très basse consommation, voire à énergie positive. Mais ce qui est important, c'est de travailler dans un espace plus large. Par exemple, quand une zone commerciale est fermée le dimanche, eh bien, l'énergie qui est produite, parce qu'il y a aussi du soleil le dimanche, eh bien, on va la revendre à des bailleurs sociaux. Quand on a un village, un hameau plus qui a été primé l'an dernier au Transition Forum, eh bien, sur cette partie-là, on va faire en sorte qu'il soit surproducteur en énergie. C'est-à-dire qu'il va produire de l'énergie pour les appartements qui sont en dessous des panneaux, en général 80 à 120, mais on va produire de l'énergie pour ceux qui sont proches. Parce qu'on a un cadre réglementaire dans un cercle de 2 km de rayon. Donc, s'il y a une école qui est à côté, s'il y a des bailleurs sociaux qui sont dans ce cercle, eh bien, on va les inclure dans notre book. Alors, pour faire ça, il y a beaucoup de travail juridique et on a beaucoup investi depuis bientôt 6 mois pour avoir ce qu'on appelle un stack juridique, c'est-à-dire des documents qui soient très, très solides au niveau juridique et pour qu'on aille plus vite. Oui. Voilà. Et le dernier thème, donc le troisième, c'est l'accélération. C'est-à-dire que on va faire une boucle dont la première pierre va être posée au 11 septembre, bientôt, 11 octobre. Bientôt, au septembre, c'est d'hier. Du côté de Grenoble. C'était la date d'avant, mais elle était reculée. Et donc sur cette date-là, eh bien sur cette boucle, on va en faire 100 d'ici 3 ans et demi. Et donc le côté accélération, on peut accélérer des processus qui sont bien établis, mais si à chaque fois on remet le cœur à l'ouvrage, eh bien on va pas assez vite. Donc la troisième composante, c'est donc territoire, inclusion, accélération. Et avec ça, on espère être vraiment partie prenante dans la transition énergétique des territoires. C'est clair. Et vous parliez de juridique aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que faire, entre guillemets, essuyer les plâtres avec les premiers projets sur les aspects juridiques ou vides juridiques, parce qu'il peut y avoir aussi des vides juridiques dans tous ces domaines un peu nouveaux. Après, vous pouvez répliquer l'ensemble, comme vous dites, sans projet. C'est quand même une belle ambition pour les prochaines années. Sans projet uniquement dans la verticale book. Oui. Et il y a d'autres verticales sur lequel j'espère qu'on aura plus que 100. Notre objectif au niveau Everwatt, c'est d'avoir le maximum de points de production diffus, donc répartis sur l'ensemble des territoires. On espère qu'on en aura 5 ou 10 000 d'ici 5 ans. Il y aura des points de production de 3 MW, c'est les boucles, de 1 MW, c'est des hameaux plus, de centaines de kilowatts ou même de 10 kilowatts sur une maison. Et une fois qu'on en aura beaucoup, c'est comme l'image de Paul, Paul, qui a à peu près 500 boulangeries en France, il vaut beaucoup plus que 500 fois une boulangerie. Oui. Voilà, donc le fait de posséder beaucoup de points de production partout en France nous donne une survaleur par rapport à la somme des valorisations de chaque point. Voilà, donc on travaille sur cette notion d'avoir de l'énergie répartie. Et le mouvement aujourd'hui, c'est de passer d'une énergie qui est très centralisée, nucléaire, qui est nécessaire, et on voit, ça nous a apporté de l'énergie pas chère pendant très longtemps, à une énergie qui va être complètement répartie et qui sera en complément de l'énergie centralisée. Voilà, donc on travaille dans l'énergie verte, diffuse, donc répartie partout. Et donc, en tant que grand acteur donc d'énergie renouvelable, vous avez accueilli, il y a eu une nouvelle législation qui se met en, ça a été présenté par la ministre en Conseil des ministres cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? La réglementation pour des acteurs comme nous a été assez contraignante. Mais malgré ces contraintes, on a trouvé un espace pour être au maximum des contraintes et pouvoir optimiser et donc gagner de l'argent sur
gagner de l'argent et en faire profiter d'autres sur chacune des opérations. Ce qu'on voit, c'est que l'urgence climatique, l'urgence de la guerre et ces urgences-là qui sont en général disjointes, elles n'arrivent pas en même temps, elles sont arrivées en même temps. Et donc le gouvernement français, comme d'autres gouvernements, le gouvernement espagnol a réagi sur certains points depuis 6 mois et a eu une autorisation express de l'Union européenne. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont se faire sans doute ces 12 prochains mois, beaucoup plus que ces 10 dernières années. Donc il y a une accélération. On est dans l'accélération. On est dans l'accélération. Le sujet phare du forum. On est exactement dans ce sujet phare et le gouvernement se met au diapason. Et donc il y a des annonces de ce type-là qui nous font du bien, puisqu'on est acteur dans. Et ça, quand il y a une contrainte de 3 MW, quand ça passera à 5 MW ou à 10 MW, comme on a 3 MW, ça sera plus simple pour celui qui a 3 pour passer de 3 à 5 ou de 3 à 10 que celui qui a 0 pour passer à 2. Voilà, donc on travaille. Voilà, c'est le troisième thème, c'était l'accélération. Oui, on y revient finalement en conclusion. Enfin, je ne sais pas si c'est la conclusion. Écoutez, impeccable. En tout cas, bon courage, parce que je pense qu'il y a du pain sur la planche aussi. Tout à fait. Pour ça, on a une très belle équipe, une Dream Team. Ouais, et sur chacun des postes, on est passé de 2 à 15 en 12-14 mois. On a les bons profils pour accélérer très, très fort. Pour avancer et accélérer. Merci beaucoup d'être venu jusque-là. Et puis bon après-midi forum avec ce merveilleux décor. Merci.